Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, on revient pour une toute nouvelle vidéo concernant les jeux de combat, les jeux de baston, le versus fighting, le fighting game. Appelez ça comme vous voulez les amis, on revient exactement aujourd'hui, le 24 juin 2022, pour la sortie de Capcom Fighting Collection. Alors, qu'est-ce que Capcom Fighting Collection? Bah, c'est un jeu édité et développé par Capcom qui reprend la série des Vampire Survivors, des Darkstalkers que j'avais joué bien sûr en arcade, encore une fois les années 90. Merci pour nous avoir sorti des pépites après Street Fighter 2X. Donc, à partir de 1994, on avait donc la collection de Vampire Survivors et qui va s'appeler aussi Darkstalkers, donc à différents moments. Donc, vous avez 10 jeux qui regroupent cette collection de jeux. Il n'y a pas que des jeux de combat. Vous allez voir, il y a un jeu un petit peu puzzle, un petit peu Tetris. Il y a bien sûr le Pocket Fighter, qui est vraiment un jeu aussi sorti dans les années 90. Excellent jeu pour délirer, bien sûr. Vous avez des coffres qui s'ouvrent, les personnages se transforment de Street Fighter. Il y a aussi, bien sûr, l'Hyper Street Fighter 2, qu'on retrouve dans le 30e anniversary de Street Fighter, les amis. Mais bien sûr, cette compilation de jeux, cette collection de jeux est sortie aujourd'hui, donc le 24 juin 2022, et on va bien sûr découvrir ça tous ensemble. Avant de découvrir ça, je vais vous énoncer un petit peu les titres qu'il y a dans cette compile, les amis. Je vais vous les énoncer. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, Darkstalker, The Night Warriors, sorti en 1994. Donc c'est vraiment ce Darkstalker que j'ai énormément vu tourner dans les salles d'arcade, que j'ai énormément, bien sûr, dosé à l'époque, avec ce personnage de vampire, vampiresque comme ça, avec cet univers gothique, vraiment à 100% gothique. Un peu, oui, c'est vrai, très cartoon. Qui me fait penser après à les Marvel versus Capcom 2, où il y a certains personnages, comme par exemple le personnage Pharaon, qui envoie, avec ses bras qui se distordent, etc. Qui fait penser un peu à Dashim, qui a été repris dans les Marvel versus Capcom. Dans le Marvel excusez-moi, Marvel versus Capcom 3, l'Ultimate Marvel versus Capcom 3. Il y a aussi certains personnages, bien sûr comme Morrigan, qui est un personnage emblématique qu'on voit bien sûr dans les présentations des Vampire Survivors, des Darkstalkers. C'est vraiment l'une des personnages principaux, je dirais, qu'on retrouve dans ce Marvel 2, le Marvel 3 aussi, surtout, qui est d'ailleurs fait partie des personnages les plus joués et les plus puissants du jeu. Donc, comme je vous ai dit, en 94, vous avez le Darkstalker Night Warrior, donc le premier du nom. Après, il y a le Night Warrior Darkstalker en 95, le Revenge, donc la deuxième opus. Vampire Savior, donc après, voilà, ça change de nom, mais c'est toujours le même jeu, hein. Vampire Savior, avec des améliorations, bien sûr, dans le Vampire Savior 2. Après, il y a certaines versions où vous pouviez jouer avec les boss, et d'autres versions où vous ne pouviez pas, comme les premières versions, où il n'y avait pas forcément les boss. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a des personnages en plus. Après, donc, je vous ai dit, après Vampire Savior, The Lord of Vampire en 1997, les amis, donc le Revenge, c'est donc 10 jeux, c'est énorme, hein. Donc Vampire Savior 2, The Lord of Vampire en 1997, donc dans la même année, deux opus, donc on va dire un remake du jeu. Pocket Fighter, donc Pocket Fighter, là, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, donc c'est 1996 pour ce Pocket Fighter, vraiment qui est avec, qui me fait penser à l'avant Smash Bros, un très très jeu, comment dire, assez fun, qui est mis des fois dans certains tournois comme ça pour le fun. Alors après, vous pouvez taper tournoi Pocket Fighter, vous allez voir. C'est vraiment, moi personnellement, c'est vrai que ça me fait penser pas mal à Smash Bros. Après, vous avez Super Gen Fighter Mini Mix, voilà, en 1987. Vous avez le Cyberbots en 95 qui était sorti, Full Metal Madness. Donc en fait, ça, c'est un jeu, je dirais, où vous incarnez des robots assez bourrins. C'est pas très fluide, c'est assez mal fait. Alors Capcom, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu, mais on va découvrir ça tous ensemble, comme je vous ai dit, on va découvrir ça ensemble, les amis. Raiders, sorti en 1996, donc ce jeu aussi reprend
un personnage qui a eu une malédiction, qui a une tête de lion, qui me fait penser un peu à un mélange de Golden Axe et un mélange de Altered Beast, qui était sorti à l'époque sur Mega Drive, les amis. Et voilà, ça me fait penser un peu à ce genre de jeu, vous savez, avec des personnages très iconiques, très musclés, vous avez un peu vraiment à la Golden Axe, et qui a une grande épée, et puis voilà, qui va se battre contre plusieurs monstres. Et voilà, vous allez voir, c'est par contre, c'est assez bourrin aussi, au niveau des sprites, au niveau de comment dire, c'est pas du tout technique, on sort de l'univers de Street Fighter, et on sort de l'univers aussi très technique, parce que les gens ne le disent pas, mais Vampire Savior, c'est un jeu très encore énormément joué dans les salles d'arcade au Japon, en tournoi, il y a eu énormément de tournois, je sais pas s'il y en a encore à l'heure actuelle, parce que j'en vois peu, mais je sais que sur certaines chaînes japonaises, j'ai vu tourner des petits tournois, ou en tout cas le jeu est encore dosé énormément, il y a encore des fans de Vampire Savior ou Darkstalker, appelez-le comme vous voulez les amis, ça dépend bien sûr des époques, à quel moment vous avez joué, à quelle version vous allez jouer, mais en tout cas, sachez que Vampire Savior est énormément encore joué, dosé, surtout au Japon, après aux États-Unis je sais pas, en Europe beaucoup moins. C'est vrai que c'est un jeu qui est passé un peu sous silence parce que c'est un jeu vraiment axé arcade. Il est sorti donc à une quarantaine d'euros, cette compilation, elle est sortie à une quarantaine d'euros. Vous l'avez sur Xbox One, PS4, Switch et PC, sur 4 supports les amis. Voilà, maintenant, donc je vous ai dit Raiders, donc je vous ai annoncé à peu près donc normalement les 10 jeux. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Comme je vous ai dit, il y a un jeu qui ressemble un petit peu à Tetris, c'est un peu Schnapps. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer sur le jeu. Alors par contre, je vous promets, par contre, il y aura peut-être malheureusement le son du jeu. Même si j'ai déjà réglé le son du jeu, il y aura peut-être le son du jeu. Je ne sais pas comment ça va se passer, les amis, par rapport au son du jeu. Parce que malheureusement, le gros souci que j'ai avec malheureusement ce 35th anniversary, voilà, avec ce jeu, c'est que malheureusement je ne contrôle pas tous les effets sonores du jeu, donc malheureusement ça risque d'être problématique par rapport à YouTube, mais on verra bien. Le principal, c'est de vous montrer. Donc vous atterrissez ici, voilà, dès que le jeu commence, vous allez atterrir sur le online, sur le offline. Comme c'est un jeu téléchargé sur PC, moi je joue à la version PC, il y a le offline, le online, je vais vous montrer plus le offline. Voilà, Museum, vous pouvez quitter, vous avez les options. Dans les options, vous avez le système du jeu, donc vous pouvez changer, là vous pouvez mettre en version japonaise, en version anglaise, etc. Vous avez les musiques, voilà, moi j'ai déjà baissé au maximum les musiques pour pas que je me fasse défoncer par YouTube. Voilà, après vous avez tout ce qui est network, PC, settings et les crédits. On va commencer par les crédits. Donc vous savez, les crédits, c'est un petit peu, bah en fait c'est le, je commence par la fin, c'est-à-dire tous les programmateurs, tous ceux qui ont développé le jeu, voilà, s'expriment, hein, vous montrent un petit peu. C'est quand on termine le jeu, généralement voilà. Après PC settings, bah voilà, c'est tout ce qui est tout ce que vous pouvez changer au niveau voilà, display, etc. Bon voilà. Pas mal d'options, je vais pas m'attarder sur les options parce qu'il y a quand même 10 jeux à voir et c'est quand même assez dingue. On va aller sur le offline play et là on atterrit sur le menu. Donc le menu est présenté comme ça. Donc on va commencer par, moi je dirais, le premier jeu qui n'est autre que le Vampire Savior. Voilà, The Lord of Vampire, ok, d'accord, ok. Bon, on va lancer le jeu. Voilà, je vais essayer de vous montrer très rapidement tous les jeux, un par un, les amis. Vraiment, en plus, je suis vraiment content parce que Capcom a fait un effort. Et je pense que si c'est pour... C'est une question de mémoire. Au bout de 30 ans de jeu, il faut bien que... comment dire, qu'il y ait... une mémoire. Donc, comment dire, de faire ressortir ces jeux, sachant que ce jeu est vraiment magnifique. Alors, attendez, ok. Donc, il y a à peu près 10 personnages, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnages. Bon, je les ai peut-être mal comptés, hein. Bon bref. Si je les compte rapidement, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah ouais, d'accord, donc on est déjà dans une version assez avancée. Bon bref, malheureusement... Je vais me mettre en normal et malheureusement le personnage
j'ai pas pu le choisir. Bon, généralement, moi, je choisis le vampire de base. Hein. Donc voilà, là, je joue en mode crapaud. Donc vous voyez, au niveau des sprites, en fait, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser. C'est un jeu Capcom, mais qui me fait énormément penser aux jeux qui sont sortis sur Neo Geo pour la plupart. Donc vous avez, bien sûr, une barre qui vous sert en bas, bien sûr, avec la super. Alors, je sais plus comment on fait les super hein, dans ce jeu, parce que j'ai vraiment, vraiment pas beaucoup joué à ce jeu-là. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des boutons les gros boutons en fait au-dessus de la manette. Moi, je joue en manette là, qui peuvent vous servir. Alors, attendez, on va voir si j'arrive à déclencher. Je me suis fait. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Si j'arrive pas à déclencher de super, mais en tout cas, voilà. Ça a recommencé très très rapidement le deuxième round. Hop, voilà. Donc, on peut faire bien sûr des combos. Mais vraiment ce jeu, je sais pas pourquoi, vraiment, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Mais moi il me fait vraiment penser à un jeu Neo Geo en fait, et pas un jeu Capcom. Après, c'est peut-être parce que c'était aussi l'époque, dans les années 90, où il y avait énormément de concurrence entre les jeux SNK et Capcom. Et je pense que Capcom se sont inspirés vraiment, c'est mon avis personnel hein, bien sûr, hein, je dis pas que c'est ce qu'ils ont fait. Mais je pense qu'ils se sont beaucoup, beaucoup inspirés de certains jeux Neo Geo. Et ils ont mis certaines mécaniques qu'il y avait dans Street Fighter 2, parce que c'était un peu après les Street Fighter 2X, hein, cette époque de Vampire Savior et de ça, parce que c'est 1994. Voilà. Donc on a une boule de poils. Donc comme je vous ai dit, le jeu est vraiment dans ce monde gothique. Vraiment, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Alors attendez, est-ce que je vais réussir à faire une super? Ah, ok. Non. Si j'appuie sur les deux boutons, ah, ok. Ok, donc non, pas rien à voir. Ok. J'essaie de faire deux quarts de tour en avant ou en arrière. Voilà. Bon, j'espère que je vais pas me faire détruire par le son aussi du niveau du jeu. Donc après, vous voyez, la barre d'énergie, elle est divisée en plusieurs bouts. Et je crois qu'avec la flamme, vous pouvez faire une méga super. Donc voilà. Je suis pas un hyper connaisseur de Vampire Savior et du système de jeu. Parce que c'est un jeu que j'ai dosé en arcade très rapidement. Ah voilà. Ah vous voyez, comme quoi. Ouais, j'ai déclenché une espèce de super avec le timing. Là, c'était assez spécial. Voilà, hein, les amis. Donc, je vais pas rester sur ce jeu-là. Je vais vous montrer un petit peu tous les jeux, parce que quand même, voilà, on va essayer d'aller vite. Hein. Moi, je la joue balayette. Voilà, donc le personnage contre lequel je joue a été introduit dans Marvel vs Capcom 3. Et d'ailleurs, même dans le 2, je crois qu'elle y est aussi. Je dis pas de bêtises, parce qu'il y a énormément de personnages dans Marvel vs Capcom 2. Et voilà les amis, en tout cas, si vous vraiment, vraiment regardez les, comment dire, tout ce qui va être tournoi, parce que il y a énormément de pression dans le jeu, c'est très 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 dur de jouer entre guillemets en mode pro professionnel à ce jeu là, parce que c'est vraiment très très dur. Vous voyez comment je me fais malmener en 2 secondes, elle m'a mis une super. Waouh, ah ouais, en plus elle court dans les airs, enfin vous voyez. Puis elle m'envoie tout son matériel. Voilà, donc c'est assez dingue. Est-ce que je peux sortir de là? Quitter. Voilà, on va quitter les amis. Donc je voulais vous montrer déjà ce vampire Savior. Ah, après il y a le 2. Alors attendez, on va aller dans quel sens? Parce qu'il y a Vampire Hunter. Attendez, voilà. The Night Warrior. Normalement c'est le premier en fait. Je me suis planté dans le sens de sens. En fait j'aurais dû commencer ici les amis. Voilà, donc c'est le vampire, voilà, c'est ça, The Night Warrior, c'est le premier, c'est celui-là. Donc on va pouvoir, voilà, vraiment revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc The Night Warrior, bien sûr, toujours édité et développé par Capcom. Voilà, donc il nous choisit 1, 2, 3, donc ok, on va prendre 1. Voilà, on va pas... Donc, je vais prendre bien sûr le personnage principal. Donc là, voilà, c'est la toute première version. Vous voyez, ça n'a rien à voir. On voit bien que le jeu a été complètement amélioré. Donc là, il y a à peu près 10 personnages, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compté. Voilà, 10 personnages. Et ça, c'est mon perso de cœur. Pourquoi? Parce que c'est un peu le Ryu du jeu. Il a un dragon, il a une boule. Il a pas mal de coups comme ça, il a une balayette. Donc voilà, moi je faisais beaucoup boule pour monter un petit peu sa barre.
Mais vraiment, je vous dis, vraiment, c'est ce jeu, il est excellent. Et je trouve qu'il a vraiment, vraiment bien vieilli. En plus, ce qui est bien maintenant, c'est que bah, les joueurs... Alors, je sais pas si les cross-platform, donc je sais pas si les joueurs PC peuvent affronter les joueurs d'Xbox ou les joueurs genre de Play. Mais je pense que c'est... Non, je pense pas qu'ils soient cross-platform. Je pense que ça dépend de la version que vous allez acheter. Si vous achetez sur Switch, bah, ce sera que les... Vous pourrez normalement jouer que contre les gars qui jouent sur Switch ou sur Play 4 ou Xbox One ou PC. Voilà. Donc, voilà. Moi, je charge. J'essaie de charger un petit peu. Alors, attendez. Est-ce que j'ai un plus gros? Voilà, je vais essayer de... Voilà, j'ai une super. Est-ce que si je fais deux quarts de tour? Non. Ah si, si, il y a un truc qui est sorti puisque j'ai perdu ma barre à moins qu'elle me l'a fait, elle me l'a fait perdre. Voilà. Je vais essayer de monter encore ma barre. Voilà. Ah si, j'ai fait un coup spécial là. Le dragon. Hop, le dragon, le fameux dragon du vampire. Et en anti-air. Et là, je vais lui mettre un petit light. Et c'est fait. Donc, vous voyez, déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour un jeu des années 90-94, bon, bien sûr, forcément, c'est pas du tout le même niveau graphique que les jeux actuels. C'est normal, c'est du old school 100%. Voilà, ça a choisi de manière aléatoire mon adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 persos. Hein, voilà, 10 persos pour la première version. Voilà, The Nightwire. Là, je loup-garou, donc toujours dans ce monde gothique, vous savez, les vampires, les loups-garous, on est en plein dedans, hein, dans ce monde gothique. Moi, ça me fait penser vraiment, ça me fait penser d'ailleurs à un personnage, aux deux frères de Marvel versus Capcom. Je veux bien sûr parler de Dante et son frère, qui sont vraiment de cet univers-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est dingue. C'est dingue, ce jeu est complètement dingue. Et je trouve que les animations sont vraiment top. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper fluide. Et c'est vrai que ce petit côté hyper manga, enfin mangaifié, quoi, j'aime beaucoup le côté BD en fait du jeu. Mais en même temps, c'est hyper bien fait parce que voilà, au niveau des coups, de la fluidité des coups, je vous dis, on sent tout de suite qu'on est dans du lourd, quoi, qu'on est vraiment dans du lourd. Voilà. Donc ça, c'est le personnage pharaonique, voilà, qu'on retrouve aussi dans Marvel versus Capcom 2. Vraiment, voilà, vous voyez, il se déplace un peu comme Dalsim, il plane un peu dans les airs. J'aime bien même sa défense, et sa défense, c'est un peu son comme si c'était son tombeau. Voilà, il a pas mal des coups qui ont de la portée. Ah oui, il esquive et tout, ouais, c'est vraiment Dalsim amélioré, quoi, c'est vraiment ça. Hein. Je sais pas comment Capcom a décidé de mettre ce type de jeu au monde, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment... C'est bien, c'est plaisant. Et puis ça change. Voilà. Alors, est-ce que je vais perdre? Allez, on va voir si je perds. Là, ça veut gratter. Oh, il m'a fait une chope de fou! Et il m'a fait rentrer dans son... Rentre dans le placard! Ok, c'est cool. J'ai rien vu venir, les amis. La chope a été magnifique. D'ailleurs, je sais même pas comment on chope dans le jeu, pour vous dire. Donc, je suis vraiment... Vraiment novice à Vampire Saver, Darkstalker. Ok, est-ce que... Ah ouais, d'accord, ok. J'ai utilisé mes barres, mais je vais pas me laisser faire. Waouh. Oh lolololololol. Bon, c'est le niveau arcade, hein, donc du coup, l'ordinateur, il est assez énervé. On va quitter. Voilà, les amis, en tout cas, pour la première version... Donc maintenant, on va s'attaquer à cette version-là qui est Vampire Hunter, d'accord, ok. Donc on va s'attaquer à cette version-là. On va voir, on va regarder, on va faire ça très rapidement, comme je vous dis, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous. Donc là déjà, vous voyez, normal, turbo, on a déjà un design de la présentation du jeu qui est autre. Est-ce qu'on a autant de persos là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, on a 14 persos. On va prendre le perso enflammé parce que moi j'ai tendance, bref. Ah voilà, donc ça c'est donc c'est bien dans cette version là, donc la deuxième version du jeu où les personnages étaient enflammés. Oh, vous voyez, oh c'est dingue. Ah, le personnage, comment il se déplace déjà, on dirait qu'il se téléporte et tout, et on dirait qu'il se tépait. Donc je joue contre le fameux Frankenstein. Ah ouais.
Et ah, ça veut rien dire. Le jeu, il a des sprites. Waouh. Et donc, ah, vous avez vu aussi là, les barres qu'il y a en dessous. Maintenant, les barres dans cette version-là, ils les ont mis à, les barres de super ont été mises à la place, enfin juste en dessous, je veux dire, des barres de vie. En comparaison avec la première version, vous avez vu, c'était en bas. Waouh, le visage horrible, horrifique. Vraiment, c'est horrible, c'est l'horreur. On est dans l'horreur totale. Voilà, donc là, je me fais choper. Et là, j'essaie de déchoper. Voilà, on va lui envoyer la boule. Voilà. Hop, je me transforme en roue, c'est cool. Ah ouais, en plus, ah, c'est, on dirait une larve et tout, mais il prend complètement de différentes formes. Donc je vais zoner. Et on va voir si j'arrive. Est-ce que j'arrive à faire une super? Non, j'arrive pas à faire de super, mais j'ai gagné. Bref, voilà. Donc ça, c'était pour... Ah ouais, d'accord. Ouais, bah ouais, c'est vraiment un perso. Ouais, c'est ça. C'est un perso à part entière. Ah oui, d'accord, ok. Bah voilà, il a vraiment une tête démoniaque avec sa tête vraiment énervée, ce perso. Voilà. Allez, je vais vous faire un deuxième combat et après on va changer de jeu parce qu'il y a quand même 10 jeux à voir. Voilà, on en a déjà vu presque 3 là du coup. Et c'est pas mal. Donc là, franchement, j'aime beaucoup beaucoup ce personnage là. Et j'aime énormément aussi les amis. Regardez, mais graphiquement, c'est complètement dingue ce qu'ils nous ont fait au niveau des décors. On a vraiment des décors hyper travaillés. Même si ils veulent un peu rien dire, hein, parce qu'on a une poule, on a un chien, enfin, on se croirait dans une ferme. C'est assez, comment dire, c'est assez lunaire, voilà, c'est assez lunaire. C'est ce que je cherchais comme mot, c'est assez lunaire. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, waouh. Ah ouais, d'accord, hey, là, il peut, ah ouais, je peux me TP. Ok, je peux me TP, envoyer une boule dans différentes directions. Et c'est assez propre. Ok. Voilà, j'ai gagné, donc je quitte. Hein. Je quitte, comme je vous ai dit, je veux pas que ça dure trop longtemps. Voilà, déjà, je vous ai montré donc... Alors, on récapitule. Je vous ai montré ce jeu-là. Donc, ça en fait 3. Et maintenant, on va s'attaquer au 2. Donc, Vampire Hunter 2 et le Vampire Hunter... Le Vampire Savior 2. Donc, Vampire Hunter 2 et Vampire Savior 2. On va voir. Bah, je connais pas vraiment bien les différences. On va les découvrir ensemble, hein, les différences. Voilà, on saute tout de suite. Voilà. Ah, bah, c'est celui-là. Voilà, on a pas mal de persos. Attendez. Oh, je vais prendre ce perso là parce que je l'ai jamais joué. On va jouer en normal. Parce qu'en normal, auto ou turbo, voilà. Donc ça. Turbo, franchement, c'est vraiment la version arcade. Hein. Quand on joue en turbo, vous allez voir. Ah oui, d'accord, ok, c'est ce personnage là qui fait mal. Oh là là, donc je joue encore contre Frankenstein. Waouh, ah oui, d'accord. Oh, c'est dingue. Bon, ça, on sent que c'est les persos craqués, ça. Ouais, ça, c'est les persos craqués. Ah oui, d'accord. Et, en plus, il revient super vite. Hop. Ok. Est-ce qu'il a d'autres coups, ce personnage-là? Ok, il peut geler. Ok, il peut geler son adversaire. Est-ce qu'il a... Ah, il a le... D'accord, le coup de l'épée qui part. Ah oui, oulala, il a des invocations avec son épée. Top, topissime. Wouh! Ah, c'est vraiment... C'est les persos craqués, ça. C'est un perso complètement craqué. Bon, bah voilà, hein, bah, j'ai trouvé le perso du cœur, les amis. Le perso que je vais jouer. C'est complètement dingue. En tout cas, graphiquement, je vous dis, enfin, moi, c'est vraiment... Ça me rappelle vraiment, vraiment tous les jeux SNK auxquels j'ai joué, l'époque Art of Fighting, toute cette époque-là, les amis, vraiment... Mais là, on est dans du pur jeu Capcom. C'est pas pour faire de la pub à SNK, mais c'est vraiment parce que ça me rappelle tous les jeux SNK qui ressemblent beaucoup à ce genre de jeu. Les jeux craqués de l'époque. Waouh, oh, il a des attaques, elles sont trop pétées. Trop pétées. Alors attendez, tac, je lui mets un coup de sabre. Voilà, attendez, hop, j'ai appuyé sur Start. Pardon. Alors, est-ce que... Ouh, ah, il m'a fait de la chope. Ok. Ok, je vais lui faire regretter. On va lui refaire la super attaque. Ok.
Ah, pour l'instant, c'est moi qui perds. Hein. Vous voyez comme quoi l'ordinateur, il peut être très 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 méchant. Donc, faut vraiment bien surveiller son énergie. Après, je pense aussi, je me rappelle aussi, il y avait une règle aussi, les amis, qu'il faut connaître dans les jeux de combat, c'est que quand vous prenez un boss et que vous jouez contre les persos normaux, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai remarqué, et ben, ils sont tout un coup, ils sont pétés, les joueurs, les persos, on va dire, de base du jeu, deviennent pétés parce qu'ils se disent, ah là, je suis face à un boss, malgré que c'est l'IA hein, qui réfléchit comme ça, j'ai toujours remarqué ça, et dès que vous prenez un boss, ben, en fait, les persos de base deviennent complètement craqués, limite plus forts que le boss. Donc voilà, bon bref, je quitte et on va continuer notre petit tour de découverte de Vampire Hunter. Donc voilà, je vous ai montré le 2 et maintenant on va passer à l'autre. Donc voilà, le Savior, parce qu'on était sur Hunter. Maintenant on passe sur Savior, bien sûr je passe, je reprends mon personnage préféré. Voilà, Dimitri. Et... voilà, chauve-souris et tout ça, vraiment l'apparition en chauve-souris de Dimitri. Donc là, c'est vrai qu'il y a l'espèce de Heidi qui va sortir des mitraillettes. Donc nouveau personnage dans ce nouvel opus. Vraiment, c'est incroyable. On a de nouveaux persos. J'aime beaucoup l'endroit où on est. C'est vrai que ça fait un peu c'est toujours ce côté très 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 gothique, très sombre. On a l'impression que c'est le Patagone ou je sais pas quoi derrière la Maison Blanche qui part en cacahuète, et on a l'impression que c'est une vieille maison japonaise. On se bat devant une maison comme une maison en espèce de, on dirait une maison hantée. Donc voilà, donc elle se balade avec son toutou, il y a son toutou qui l'accompagne, ou je sais pas s'il fait partie juste du décor. Ok, c'est cool. Maintenant, est-ce que je peux faire, ok, une petite balayette, hop. Voilà, je vais jouer contre à peu près deux persos hein, pour vous montrer chaque jeu. Donc voilà, il n'y a pas une grande différence, moi je trouve, entre celui-là, le Hunter et le Savior. Voilà, c'est juste deux versions. Après, chacun joue à la version qu'il souhaite et qu'il préfère, hein, bien sûr. Hein, c'est... Mais bon, moi je pense qu'il faut jouer à toutes les versions. Même la première version, elle est hyper fluide. Enfin voilà. Après, bien sûr, là, il y a plus de persos, 14 ou 15 hein, personnages. J'ai compté très rapidement. Voilà, bon, moi je joue toujours en mode balayette, je joue toujours très... C'est sale, hein. Ma manière de jouer, elle est très très dégueu. Ah bah là, je vais jouer contre le Shaolin. Voilà. On va essayer de le défoncer assez rapidement. Hop, voilà, en mode balayette, hop, il réagit pas. On lui met des petites boules, hop. Voilà, un petit dragon, hop. Ah oui, c'est déjà le deuxième round. Et après, je vous montre l'autre jeu, je le termine rapidement. Voilà. Hop, on lui envoie des boules, on va le zoner un peu. Ah, il m'a gelé. Voilà. Hop. Ah, j'ai fait un dragon dans le vide. Balayette. Hop. Encore une fois, balayette. Petite boule. Ok, ça veut me geler. Par contre, c'est vraiment dommage parce que je sais pas faire les supers dans le jeu. C'est ça que j'aurais bien aimé vous montrer, les amis. Malheureusement, je ne pourrais pas. Ah ouais, carrément. Il est accompagné et tout, il a des prêtresses avec lui. Je vous dis, ce jeu est vraiment complètement dingue. Moi, j'ai l'impression de jouer à un manga. Vraiment, un manga, une BD, frère, c'est très très bien fait. Donc voilà, maintenant qu'on a fait à peu près tous les Vampire Savior, etc. On va pouvoir passer donc le Street Fighter, l'Hyper Street Fighter. Je vais pas vous le montrer parce que vous connaissez l'Hyper Street Fighter. C'est celui qui avait donc dans les 30 anniversaires. Je pense que c'est pas vraiment utile. Bon, je vais passer vraiment très 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 vite dessus. On va s'arrêter sur ce jeu-là qui est pour moi entre guillemets le Tetris. J'avance Alors attendez. Ah ouais, d'accord. Il y a plusieurs personnages. Ah non, je me suis peut-être trompé. Je sais pas le Tetris. Ça. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est le jeu de robot. J'ai dit n'importe quoi. Désolé, excusez-moi, les amis. Donc, voilà, on peut choisir. C'est un jeu un peu méca. Voilà. Et donc, c'est un jeu de baston, mais qui reste un jeu à bourrin. Donc, voilà, on choisit ces méca. Donc, on a plusieurs choix dès le départ du jeu. Et là, vous voyez, c'est... Voilà, j'appuie un peu au pif, hein, au hasard. Donc, ça se joue. Alors, à combien de boutons ça se joue ? Ça, mais c'est vraiment...
Je veux dire, on n'aurait pas dit un jeu de Capcom. Je vous assure, c'est vraiment, vraiment... ce jeu Capcom, il est vraiment... Donc on a un bouton pour courir. Ça fait, on dirait une chope que j'ai fait. On dirait que ça se joue à très peu de boutons. Et j'ai gagné. Moi, je trouve que le jeu, il est particulièrement mais dégueulasse, hein, celui-là. Franchement, j'ai pas d'autre mot. Hein. C'est bourrin à souhait. Donc, j'appuie sur deux ou trois boutons. Donc là, le bouton, il fait ça, là, l'espèce de truc de flamme. Ah, j'ai une super derrière. Voilà. J'ai un autre bouton qui est carré. Moi, j'appuie beaucoup sur A. Sur A, donc voilà, qui est... Voilà. Bon, j'ai gagné. Mais personnellement, je vais pas m'attarder non plus sur ce jeu parce que je vous dis, ça c'est vraiment un jeu bon, qu'il faut tester hein, parmi le jeu de la compilation. Il fallait mettre peut-être pour compléter cette compilation, on saura. C'est vraiment les développeurs, les éditeurs de Capcom qui ont voulu remettre ce jeu-là en avant. Moi, honnêtement, je le connaissais même pas le jeu. Honnêtement, j'ai dû le voir tourner à l'époque peut-être une fois comme ça et j'ai dû me dire. Bon, c'est vraiment les jeux mecha pour les fans d'arcade de mecha Neo Geo et en fait c'est un jeu Capcom. Donc vous voyez, donc là j'utilise un coup assez fort, le coup de flamme. Donc vous voyez, j'ai un coup comme ça aussi. Le coup bulldozer, le coup de flamme. Après, ah, ils te disent, ah ouais d'accord, quand t'as une mise au sol, ils te disent d'appuyer sur un bouton, j'ai même pas le temps de voir lequel c'est. Il y a une jauge d'énergie pour faire une super. Voilà quoi, bon bref. C'est un peu un jeu pour moi, personnellement, que je trouve qui n'a pas énormément d'intérêt. Bon, après, je pense que c'est un truc, par exemple, vous pouvez vous faire un délire à plusieurs potes. Vous dites, voilà, on va se faire le jeu des mechas ce soir et le premier qui arrive à 5, bon bref, il paye son grec, il paye son truc, sa pizza. Voilà, ça peut être sympa de se la jouer comme ça, mais vraiment, c'est... Après, il faut voir, hein, est-ce qu'il y a des compétitions aussi sur ce jeu, parce qu'il y a des compétitions sur beaucoup de jeux, même des jeux auxquels on pense même pas. Et ce jeu, peut-être qu'il en fait partie, les amis. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que franchement, je trouve que c'est pour moi, c'est pas un jeu auquel vraiment... voilà, Cyberbots, voilà. Donc, le Street Fighter 2, on va passer à autre chose. Et Vixen, ça, c'est pas le Pocket, donc c'est bien celui-là qui est le Street Fighter Easy. On va se mettre en Easy, parce que nous, on est des débutants. Et voilà. Donc, c'est le Tetris, on va prendre Ryu. D'accord, donc il faut choisir. Donc, ok, donc en fait, à chaque fois... Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Donc en fait, on fait... C'est un versus. Donc après, ce qui est bien, voilà. Donc c'est comme Columns, ou voilà, c'était ça à l'époque, hein, Columns. Donc voilà, c'est des couleurs. Vous placez vos couleurs. Il y a un bouton qui vous fait tourner les différentes... vous voyez, la deuxième partie, la partie bleue, donc... avec le bouton A, moi, hein, c'est avec le bouton A. Et le but, bien sûr, c'est comme Tetris, bah, c'est d'effectuer des lignes. Hein. D'effectuer des lignes comme je viens d'en réaliser une. Voilà, hop. Voilà, bon. Après, ça, c'est vraiment... l'objectif de ma chaîne, c'est vraiment de présenter des jeux de combat. Là, c'est exceptionnel que je vous montre ça, puisque c'est parce que ça fait partie des jeux de la compilation. Mais c'est pas du tout... c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais d'ailleurs. Mais bon, bref. Voilà, donc il faut faire des lignes. Après, bien sûr, vous avez des bonus, vous avez des ajouts de bonus. Petit à petit, essayez bien sûr de respecter les couleurs pour pouvoir faire les lignes. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que pour moi, c'est pas un jeu de baston. Donc je vais pas m'attarder plus sur la présentation de ce puzzle Street Fighter voilà, de Zix et l'Hyper Street Fighter, je vous avais dit ça. Donc on va passer au hasard. J'ai envie de parler de ce jeu. Donc c'est le fameux jeu Capcom, sorti, si je me trompe pas, en 1995, celui-là, si je me trompe pas, les amis. Et ce jeu, ce que j'aime énormément sur Warzard, c'est que voilà, vous avez un personnage, voilà, qui fait penser un peu au personnage, comme je vous ai dit, d'Altered Beast, qui est commandeur pété. Voilà, on va avancer parce que sinon, voilà. Donc on peut prendre 4 personnages. On va prendre bien sûr le personnage principal. On va mettre oui. Voilà. Ah, ready, ok.
Ok, voilà. Donc, il nous raconte un petit peu la story. Nous, on s'en fout. On sait que c'est en plusieurs étapes et on doit affronter, voilà, des monstres à chaque fois. Donc, est-ce qu'il y a des coups? Alors, déjà, j'ai un gros coup sur L1. L1, et en plus, ça fait une super attaque. Ok. Donc, L1, ça fait soit une super attaque. Voilà. Oh là là, c'est complètement dingue. Alors après, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on récupère de la vie, mais vous avez qu'une vie pour terminer le jeu en fait. Donc en gros, il faut y aller à la mode bourrin. Donc vas-y au niveau de... Voilà, donc là je récupère un peu de vie, mais j'ai qu'une vie pour terminer le jeu. Donc voilà, level up. Voilà, après ils me racontent encore leur vie, on s'en fout. Voilà, j'atterris à Athènes, on dirait. Enfin, ça ressemble à Athènes, hein, vu le... Voilà. Et je vais me battre contre un autre monstre et on va tout de suite lui foncer dedans avec la super. Ouah, il m'a défoncé. D'accord, ok. Ok. Ouh là 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 là. Ah oui, d'accord, ok, ça se transforme. Oh là, ça se transforme. Et ça veut me mettre des coups, les amis. Waouh, je l'ai eu. Assez rapidement aussi. Vous avez vu la barre d'énergie du boss. Donc on n'affronte que des boss comme ça. C'est vrai que j'aurais pu choisir un autre perso, mais j'ai préféré vous montrer le personnage principal. Donc on récupère un peu de magie et un peu de vie. Là, j'ai récupéré un peu de magie, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est ma vie ou non, c'est un peu de magie. Donc ça, la barre un petit peu de magie est remontée. Et on va pouvoir s'attaquer à la prochaine bestiole. Voilà, no mercy. Voilà, donc comme je vous ai dit, on a... Waouh, je me suis fait défoncer. Ok. Ok. Oh, c'est dingue. Ouh là 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 là. Ouh, c'est chaud pour moi. C'est chaud pour ma poire. Ouh là là, c'est chaud. Ouh là là, je récupère. Oh là, je vais mourir. Ouh là là. J'espère que je vais pas mourir. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, les amis. Je suis dead. Donc, vous voyez... Donc ce jeu vraiment, bon il faut vraiment connaître les mécaniques du jeu. On en refait une, vas-y, on va en refaire une. On va essayer le. Ah, on va rejouer Léo, ok. Est-ce que je rejoue contre lui directement? Ouais. Parce que là je me suis fait quand même bien saccager et j'aime pas ça. J'aime pas. Oh là, il me fait, c'est quoi cette chope? Cette chope de l'enfer! Oh là là! Oh la chope, la chope! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu avec des sprites qui veulent rien dire? Allez, voilà. On va essayer de lui mettre des coups puissants dans la tronche. Oh, je me fais arnaquer, les amis. Hop, hop, hop. Oh là là là. Oh là là. Et il a une bonne garde, hein. Et il m'atterrit dessus. Ok. Ok. J'ai récupéré. Hop. Et je fais le bourrin et j'ai gagné normalement. Ouais, yes. Ok, bon voilà, bah un adversaire de plus écrasé hein, pour voilà. Donc c'est vrai que dans cet esprit Altered Beast, voilà, je récupère encore un petit peu de vie. Non, c'était pas de la magie, mais en fait c'était de la vie parce qu'en fait on a deux barres de vie. En fait, on a une barre, une grosse barre et une petite barre. Ah ouais, ça c'est quoi, c'est bonus stage? Ouais, c'est comme on dirait un bonus stage. Est-ce que je vais récupérer des trucs? Je récupère des... Alors, soit vous récupérez des points, soit vous récupérez, je crois, de la nourriture qui vous donne de la vie. Voilà, après, moi, mon objectif, hein, bien sûr. Donc L1, c'est vraiment le coup le plus puissant. Hein. Après, les autres coups sont pas forcément puissants. Ouais, bon. J'arrive pas à passer de l'autre côté. Je sais pas, le jeu, il est tellement bizarre. Bon bah j'arrive pas à taper les amis, je comprends rien, les sprites, ça veut rien dire. Ok, zéro, time over. Voilà, après bien sûr, franchement c'est ma méconnaissance du jeu ça. On va passer à l'adversaire suivant, bien sûr. Voilà, je reste un peu plus sur ce jeu parce que bah, c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs de ce genre de jeu, comme je vous ai dit.
qui me fait penser un peu à Golden Axe, Altered Beast, vraiment ce genre de jeu. Moi j'aime beaucoup les jeux avec des barbares comme ça. Ok, maintenant on s'attaque à une espèce de pieuvre. Attendez, mais je suis en défense ou... Ah, c'est à l'infini qu'elle m'attaque. Et je peux même pas lui sauter dessus. D'accord. Ah non, qu'on a un grand saut. Ok. Waouh, et je me suis fait tuer. Ok les amis, bon bref. Voilà, vous avez vu un petit peu ce que ça donne pour ce jeu. Je quitte. Je m'en vais. Hein, en perdant, c'est pas grave, je reviendrai. Donc voilà, un jeu assez fun, je trouve assez marrant si vous aimez les modes solo. Mais c'est pas vraiment un jeu de baston, c'est plus... je dirais pour moi, ma part, un beat'em all, hein, en fait, hein, comme les... Mais bien sûr qu'il n'a pas le même niveau qu'un Street of Rage ou ce genre de jeu là, les amis. Mais voilà, je voulais vous montrer Warzard, donc le jeu de Street Fighter, qui me fait aussi penser à un jeu de Neo Geo. Je suis désolé, mais je fais beaucoup référence à la Neo Geo parce qu'il y a énormément de jeux de ce style là. L'Hyper Street Fighter 2, comme je vous ai dit, vous le retrouvez sur les 30 ans de Street Fighter. On va passer au dernier jeu, au 10e et dernier jeu, qui n'est autre que Street Fighter en pocket. Alors, est-ce que je prends Ryu, Ken? Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre plus Ken que Ryu. Après, select 1, nanana, 2, select 2, on va prendre 1. Ah, voilà, après, c'est peut-être des challenges, des versions, ok. Voilà, il nous raconte sa vie. Ok, on va voir le premier adversaire. Ah, Shami Shami, ok. Shami Shami. D'ailleurs, ok, bah c'est marrant. Donc, on a des coffres. On ouvre des coffres et on peut. Et ça donne des options. Les options vous donnent des avantages. Et des, je crois, des super pouvoirs où vous vous transformez, des choses comme ça. Alors, j'ai jamais vraiment joué à ce jeu. J'y ai joué une fois, je crois, en arcade. Mais tellement rapidement, les amis. En tout cas, sachez qu'il est hyper fluide. Ah, voilà. Ah, c'est marrant. Waouh! Ah, c'est... Ok. Donc, j'ai un gros pied, ok. Et si je fais le Tatsu, comme ça, est-ce qu'elle va s'en prendre plein la gueule, le Tatsu? Est-ce qu'elle va se le prendre dans la tronche? Waouh, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait une super! Une super, ok. Ah ouais, donc... Et en plus, ce qui est bien, c'est que les barman, ils jettent aussi des pouvoirs. Ok, donc j'ai fait un pouvoir dans le vide. Et le dragon de Ken Master qui a montré toute ta patate. Alors, hop, ok. Ok, deux Tatsu. Ouh là là, elle m'a électrocuté. J'ai trouvé la shop. Oh, c'est vraiment... Bon, après, c'est vraiment spécial hein, comme Street Fighter. Donc voilà, l'ancêtre... est-ce que c'est l'ancêtre de Smash Bros? Je ne sais pas. Mais en tout cas, waouh, il se passe des trucs. Je récupère des rubis, pas mal de choses. Et vous voyez, on a une barre colorée en dessous de la barre de vie. Et je pense que bah, quand vous la faites monter, c'est ça qui vous donne la fameuse super. Voilà, j'ai mis KO mon premier adversaire. C'est cool. Winner. En tout cas, j'aime énormément le côté graphique du jeu, c'est-à-dire le Ken Master comme ça, avec cette espèce de pose de combat. On va jouer contre un personnage un peu genre... magicienne, sorcière. Ok, c'est super. J'adore. Waouh. Ok. En plus, je joue à la manette. Hein, donc, moi, je suis pas joueur à manette. Bref. Ok. Donc, en fait, on a soit... D'accord, on reçoit soit des avantages, soit des inconvénients. Parce qu'on s'est fait tous les deux cramer. Ça dépend ce qu'on nous envoie, d'accord. Ah, j'ai le marteau. Donc, en fait, vous avez des objets. Ah ouais, d'accord. Il y a un bouton qui sert... Ah ouais, donc, soit j'ai le marteau. Ah, je peux l'aplatir. Ah, je peux la... Oh là. Je vais l'aplatir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais l'aplatir. En plus, ça fait monter mon autre barre. Ah, c'est excellent. Et le dragon qui est sorti. Donc, ce qui est marrant, donc avec Ron, vous avez le marteau. Ok. Est-ce que mon Tatsu va sortir? Voilà, je me suis fait prendre dans le coin. Carrément. Waouh, ça envoie la super derrière. Quelle transformation en dinosaure. Je peux faire mon Shoryu Genpa qui va rien toucher du tout. Ok, la petite shop trouvée. La boule. En tout cas, les personnages sont vraiment très drôles. Hein. Je vais essayer de lui mettre encore un coup de masse. Coup de masse dans la gueule. Voilà, le coup de masse qui fait mal.
dans la tronche le coup de massue. Est-ce que... Putain, j'ai... Wouah là, et je me le prends une super dans la tronche, les amis. C'est quand même dingue. Voilà. Donc je reste un peu sur le jeu parce que c'est, bah, c'est le dernier jeu. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Enfin, elle va se prendre le Shoryuken pas. Oh là là là. J'essaie de monter la barre. Hein. J'essaie de monter la barre. Waouh. Ah, c'est vraiment très cartoon. Hein. C'est très très cartoon. Mais c'est hyper fluide au niveau des combos, les amis. Franchement, les quarts de cercle. Oh, je suis à la manette et les quarts de cercle, je les fais très rapidement. Ah, je l'ai mise dans les pommes. Voilà. On va lui mettre un coup de marteau. Ah, je l'ai mis KO avec le coup de marteau. Donc le rond, c'est quand même assez puissant comme coup. Après, je sais pas à quoi servent les trois jauges en bas, là. Il faudrait que, voilà, que je me renseigne un petit peu plus. Si vous me dites, hein, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des infos là-dessus, les amis. On va affronter Ryu, on va s'arrêter là après. Voilà, je trouve que... Tac. Hop là, coup de marteau. On casse le coffre. Le coffre me donne des avantages. Ok. Ryu m'envoie sa boule. J'essaie de faire monter en même temps ma barre là-haut, en dessous de la barre d'énergie, les amis, pour pouvoir lui mettre le Shoryuken pas dans les dents. Voilà. Oh là, il est dans les pommes, on en profite. Voilà. Oh là, il m'a mis le Tatsu. Oh là là, je vais lui mettre Dragon. Un coup de marteau. Un deuxième coup de marteau. Et le Shoryuken pas pour le terminer. Oh, il m'a fait rebondir. Ah oui, d'accord, on peut faire rebondir la personne. Waouh, et je l'ai terminé avec le Shoryuken pas. Vraiment très 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 super là, super de Ken. D'accord. Ah, ah marrant, le Tatsu en super avec le nuage. Vraiment vraiment très très beau. En tout cas les décors sont ultra très vraiment travaillés. Le Tatsu qui touche trois fois, encore une fois le Tatsu. Le Tatsu de Ken, on va faire monter la barre avec le Tatsu. On va faire Dragon. On va refaire Tatsu, il a protégé, on va lui faire une petite boule, on va lui remettre Tatsu, on va faire Tatsu jusqu'à ce que on ait la barre bien pleine. Voilà, boule, boule, encore une fois la boule, voilà. Et maintenant, j'ai des options, mais je vais lui mettre le Shoryuken pas pour le terminer. Voilà les amis, en tout cas, sachez que vraiment, comment dire... ce Fighting Collection, ce Capcom Fighting Collection, je vous le suggère parce que vous allez pouvoir vous taper des barres avec vos amis sur Warzard, sur ce jeu-là, sur le jeu de Mecha, sur tous ces jeux-là qui sont vraiment des jeux d'époque, qui sont vraiment magnifiques. Je dois affronter Zangief. Bref, on va se quitter là, moi, pour ma part. Je trouve que le jeu... Je trouve que cette compilation de jeux, et c'est une très bonne idée, voilà, pour le 35e anniversaire apparemment de Street Fighter, je crois qu'on vient de voir. Oui, c'est bien ce que je pensais, oui, on voit bien un bison qui se balade, qui fait de la luge, c'est excellent, c'est vraiment très très drôle, c'est fandard. On se fend la poire, les amis, sur ce jeu, que je vous conseille vraiment, c'est, voilà, voilà, ça, il fait 45 à peu près euros en ce moment, cette compilation. Moi, je l'ai eu gratuitement parce que, bah, après, c'est à vous de voir, hein, sur les sites, vous pouvez le voir, mais malheureusement, j'aurais pas forcément le online, je sais pas si je l'ai, je l'aurais pas, logiquement. Voilà. Donc, je quitte, je reviens, comment dire, à la page de présentation, et voilà, donc vraiment, 10 jeux, c'est quand même dingue. Vous avez de quoi faire. Je vous invite à regarder bien sûr les tournois sur les Vampire Savior, etc. pour pouvoir vous inspirer bien sûr des meilleurs joueurs sur ce jeu-là. Pour ma part, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis, de présentation et de test de gameplay sur les 10 jeux de ce Capcom Fighting Collection. Je vous dis à très bientôt. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de m'aider en lâchant votre plus gros pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne. Ça donne de la force. Je vous dis à très très bientôt. C'était le cas du Looping Show Game. Ciao ciao les amis. Bye bye. Ciao ciao. Bye bye.